Guingamp 8e accueille le leader, le Havre. Des Havrais assez incroyables, il reste sur 7 victoires et 2 matchs nuls. Richardson, Mahmoud Alioui et Casimir sont notamment titulaires pour essayer d'obtenir un succès supplémentaire. Kitala et Thiaré sont eux absents. Guingamp essaye de bien débuter, les Bretons à l'attaque avec cette reprise de la tête sauvée sur la ligne. Très belle possibilité pour en avant. Mais les Havrais sont concentrés et sauvent cette situation avec la présence d'El Hadjam sur la ligne. Guingamp essaye de marquer avec notamment Luvambo, Camper, Courtet et Livolant pour titulaire. Toujours pas mal d'absents avec notamment Sivis et Merghem qui ne sont pas là. Guingamp sur 2 nuls après 2 défaites. Il faudrait retrouver le chemin de la victoire. Les Guingampais concentrés car menacés ici par l'action d'Alioui. Mais la défense est vigilante. Le match est disputé, équilibré, 0-0 à la mi-temps. Personne ne réussit à prendre l'avantage et faire une très belle opération au classement. En seconde période, le Havre se procure quelques coups de pierre, notamment ce corner, la reprise et la parade d'Enzo Basilio, toujours très vigilant dans le but de l'équipe bretonne. Une tentative de loin. Et Basilio bien présent sur sa ligne. Autour de Guingamp d'être dangereux avec ce corner joué à deux et très vite. Le centre et la reprise de la tête, le ballon directement sur Desmas. Le gardien de but du HAC peut capter cette balle assez facilement. Dommage pour les Guingampais et pour Baptiste Roux de ne pas avoir pu mettre la balle dans un coin du but. Le coup franc lointain pour le Havre alors que le chronomètre tourne. Cette reprise à bout portant de Nabil Alioui. 87e minute pour le but du 1-0. Sanganté pour la remise et Alioui pour le but. Le 5e de la saison pour Nabil Alioui, son 3e de suite. Le Havre encore une fois sait être décisif et efficace en fin de match. La défense guingampaise n'avait pas été trop dépassée. Mais sur ce coup, elle ne parvient pas à sauver la situation. But capital en toute fin de match pour l'équipe normande. Le Havre marque ce but de la plus haute importance et maintient son avantage jusqu'au bout. Victoire du Havre, 1-0 sur le terrain de Guingamp. Guingamp est 11e et le Havre conforte sa place de leader. Les Havrais passeront toute la Coupe du Monde comme leader de Ligue 2 BKT. Merci à tous pour votre attention. Rendez-vous au prochain épisode de Championnat du Monde. Terminé.